les nouveaux téléfilms, il n'y a pas un personnage qui travaille 8 heures par jour. Ils sont disparus de la carte. Non, il n'y a personne qui travaille. Et ils sont tous riches, avec des voitures incroyables. Leur problème, c'est est-ce que je l'aime, est-ce que je ne l'aime pas. Mais c'est un grand problème qu'on a à côté de la piscine, en train de siroter un cocktail. Jamais en train de décharger un camion de viande avec un demi-cochon sur le dos. Est-ce que je l'aime, est-ce que je ne l'aime pas. Donc, ils sont disparus de la carte. Un jour, je parlais avec une amie à Bruxelles, une amie, elle est sociologue, non? Et alors, attendez, quand je dis qu'elle est sociologue, je ne vais rien dire d'autre, ça veut dire qu'elle est sociologue. Non, parce qu'après, les gens me disent, pourquoi tu as dit qu'elle est sociologue? Ben, elle est sociologue. Elle a fait ses études à l'université, des masters par-ci, par-là, voilà, elle est sociologue. Alors, il me dit, Alberto, tout ça a changé beaucoup. Parce que je lui dis, tu as vu qu'il a la classe ouvrière. Non. La notion des classes sociales est disparue. C'est une autre époque. Aujourd'hui, il n'y a pas de classes sociales, il y a des partenaires sociaux. Je dis, merde. Heureusement qu'on a les sociologues parce que, pour nous expliquer le monde. Parce que moi, j'étais convaincu qu'il y avait des classes sociales. Je voyais le monde comme ça. Et non, il est comme ça. C'est-à-dire, heureusement que... Et même, j'ai dit, tiens, c'est vrai que même les journalistes, ils nous parlent, je ne sais pas, d'un clown qui devient président d'un grand pays, après des scandales, un comédien qui, je ne sais pas, il a fait avec des abus. Bah, enfin, non, on parle de tout ça, mais de la classe ouvrière, rien, même pas un misérable accident de travail. Mais moi, je me suis dit, tiens, peut-être, je sais que les journalistes, ils sont fort préoccupés de nous tenir au courant de ce qui se passe dans le monde, mais peut-être qu'ils ont fait la même université que ma sociologue et que dans cette université, il y a un problème. Alors, moi, je me suis dit, tiens, je vais vérifier par moi-même s'il existe la classe ouvrière ou pas. Je me suis levé très tôt le matin, à 6 heures du matin. Je suis descendu dans la rue et rien. C'est vrai. Et la raison, quand soudain, il y a quelqu'un qui arrive, clac, 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 et monsieur, où est-ce que vous allez? Bah, à 6 heures du matin, qu'est-ce que tu veux? Je vais travailler. Mais, tu vois, il y a quelqu'un qui travaille. Après, un autre par là qui arrive. Au bout de 10 minutes, il y avait plein de monde, des gens qui sortaient de partout. Oh, tout le monde content. Il y avait des gens qui sautaient par la fenêtre. Oh, on va travailler. Vous savez, la joie typique des 6 heures du matin quand tu vas travailler.